T'es parti de Montréal à 2h cette nuit. J'étais en t-shirt, en running shoe, puis en petit manteau. Je check la météo à tous les jours. Je suis bougamou, il faisait rouille, mouille, neige. C'est en venu ici. Le chemin est supposé être déblayé. Quand on a acheté ça ici, on m'a dit « Hey, toi, t'es chanceux, ton chemin est déblayé jusqu'à la porte. » Si ça reste le même, ça sort. Je suis rentré, ça va ressortir. Mais s'il tombe un pied de neige, je passe l'hiver ici. C'est certain. Un pied de neige facile, c'est doux. Il fait zéro. Je suis rendu à mon 5e voyage de traîneau. J'ai fait des traces. Il est galère, Pest, c'est à mon. 6h moins 5. Le camp est placé. Tout marche. Les cabots se sont amusés. Ça sent bon. Présent Colt. Et ici, Trigger. Hey, on est en bas. Il est 8h30 présentement, le compresseur est plugué, on start ça, le toit s'est vidé, cette nuit, le camp a vibré. Il pleut, c'est doux, c'est au-dessus de zéro, bien comme faut. Tout est prêt. On commence ça. On va rendre assez bruyant un peu. Présentement à midi et demi. Il est rendu là. Moi et Assio toute la journée. Là, je pense qu'on va dîner. Vendredi, 6h moins quart. Ça ici, c'est fait au complet. Fait au complet.
Puis là. Compresseur à la sauteuse. Le compresseur. Ouh, je vois dehors. On a fait ça ici. Il faut les faire à la main. Il reste une partie difficile ici dans la cuisine. Puis dans les chambres. Dans les chambres, il fait noir parce qu'on n'a pas de la lumière encore. Puis dans les toilettes. C'est l'heure du break. Tu commences ce soir, papa? Chevreuil. Oh, rose beef de chevreuil. Accompagné de? Brocoli. Oh, petit brocoli. Sauce maison, battée par moi-même. Sauce maison. Et une salade. Oh. Qu'est-ce qu'on a mangé pour souper hier? Soupe. Une soupe de poulet et légumes avec une salade. À midi, une omelette blanc d'œuf au jambon. Oui. Piment rouge et piment vert. Et un demi-oignon. Le tout accompagné d'une petite froide. On va faire un thé après. Lampoon, Christmas Vacation, tu peux aller se rhabiller. Là, ça paraît pas, là, il est 8h le matin. Là. À ce soir, ça va être beautiful. Dans le trou, ça va? Je suis dans le cabanon. Le plancher est frais, tu sais, par exemple. Hein? Je sais pas si c'est pas isolant. Je pense que c'est la partie qui l'a. L'isolant est arraché en dessous. C'est bon. Voilà, c'est presque fini. C'est-tu pas une belle Wonderful, ça? Mais on a pas de Willy Waller. 10h-10. 4 jours à poser les baguettes. Donc, puis là, dans un petit peu. Depuis qu'on est arrivé, jeudi, on est arrivé de peine et de misère. Vendredi, samedi, il a mouillé, il a fait chaud. Donc, le chemin a dû nettoyer un peu. Là, il neige. Pas combien de neige il va tomber. Il annonçait 5 à 10. 5 la semaine passée, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il a tombé 200 cm. Il neige un petit peu. Fait que si quelqu'un trouve cette vidéo et on est mort gelé,
J'arrive pas. Mardi matin. La question du jour, on va-tu être capable de sortir avec le pick-up? S'ils n'ont pas déblayé le chemin. Petite neige, c'est vrai qu'il a tombé 5 cm. Bon matin les amis, c'est à peu près 10h30, 11h, on est mardi, on était supposé de quitter mercredi, mais il déblaye pas le chemin comme on en a parlé plus tôt. Fait qu'un matin, papa, je dois avouer qu'il était un peu paniqué, il a peur qu'il nous retrouve juste au printemps. Fait que, mais là, je viens de faire mon deuxième voyage, je monte du stock, puis il y a d'autres capotés comme nous, on n'est pas les seuls, parce que je viens de voir des traces. Il y a du monde qui ont passé, qui viennent juste de passer parce qu'on a sorti le pick-up de notre trou, ça fait à peu près une heure. On a fait deux voyages. Puis là, il y a des traces. Fait que ça passe encore. Pas inquiète. Fait que tout est blanc. C'est l'hiver ici. Faut pas croire qu'on va arriver à Montréal et on va être sur le gazon. Les aventures, ça poursuit. Si jamais vous retrouvez cette caméra qu'on est porté disparu, ça aurait l'histoire du film. C'est l'hiver, honnêtement c'est beau en sac à main. C'est débile comment c'est beau. Trois heures et demie, on est sorti de la merde. Ici, c'est le chemin de bois encore, il reste 60 km. Par contre, c'est gratté. Je peux vous montrer, on arrive de là, pas gratté, puis ici, ben, c'est gratté. Ça a été un peu rock'n'roll, il y a une couple de côtes qu'il fallait monter, qu'on ne parlait pas fort. Fait que le dernier bout, après ça, on tombe sur l'asphalte.